Bonjour à tous, c'est Bernard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dishonored. Et nous allons commencer. Donc oui, on doit toujours aller zigouiller le grand superviseur. Éliminez-le. Voilà, il faut faire attention à pas tuer Martin. Francile. On va se mettre comme ça. On l'a congédié. Mon Dieu. On va essayer de pas faire trop de... Votre attention, citoyen de Dunwall. Je suis ici. Cas de contact avec un contaminé ou un géniard, une quarantaine de 2 jours consécutifs est obligatoire. Si vous présentez des signes d'infection, vous devez être transféré au quartier inondé. Ça me l'a désactivé. Oh, il y a des rats qui filent. Il y a des rats qui filent. Faut se gaffer. Il faut faire attention. Il y a un autre portail là-bas. Ils sont où? Ils sont en train de bouffer le mec là-bas. Ok. Votre attention, citoyen de Dunwall. Je vais regarder s'il n'y a pas un... Veuillez céder le passage aux véhicules motorisés. Il y a une rune là-bas. Et aux échassiers en service commandé. Et là j'ai tout pris en fait. Là j'ai tout pris. Donc c'est pour éviter les citoyens sur la chaussée. Oh, il fait sombre ici. Portail foudroyant. Ouais, il fait très sombre ici. Mais attendez, j'ai la vue machin là. Vision des ténèbres. Enfin, c'est juste une porte. Donc on s'en fout. On va se mettre quand même à genoux au cas où. Le portail est là-bas. Alors il est alimenté par où ce portail? Donc là j'ai les machins pleins. Ça visiblement c'est fermé. Ah il est là le truc. Ouais, bon on va peut-être pas le faire tout de suite. Oh merde! Oh merde! Bon, faut le temps de s'y remettre un peu, hein. Il faut le temps de s'y remettre un peu. Bon, du coup, on va pas faire comme ça, on va passer par-dessus. On va passer par-dessus. Je crois que le mec, il doit être... Non, du coup, non. Du coup, non. Si. Non, je l'ai pas éliminé. Par où puis-je passer? Par où puis-je passer? Peut-être par là-bas. Peut-être par là-bas, j'ai fouillé. Ah non, ça c'est des cadavres, Berk. Ça c'est pas des bons. Et hey, on va par où là? Ça va pas où? On explore. Hein. D'accord. Oh putain, alors là les rats, j'aime pas. J'aime pas ça. Ah ouais. Quand même, hein, quand même. Hein. Attends, il faut Dorian, il est par là-bas. Lui qui
Qui c'est lui? Ouais, on s'en fout. Froid comme la tombe d'un baleinier. Oups. Merde. Merde. Ah putain. Oh merde, merde. C'est quoi là? Je viens de faire quoi là? Personne ne tue l'un des nôtres. Super. Donc grosso modo, il fallait pas que je me montre. Ça commence très fort. Ça commence très fort, je suis déjà mort deux fois. Cool. Je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que je vais pas beaucoup avancer. Je peux avoir une impression comme ça. On va essayer de passer par là. On va essayer de passer par là. Qu'est-ce qu'il me veut aller? Machin. Putain, il est où? Là. Vous voulez jeter un œil à ce que j'ai trouvé? Je fais des bons prix. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. Bah allez, vas-y, gars. Elixir 200. Lentille à grossissement. Les verres de votre masque. Ça coûte combien? Ça 200. Immunisant contre la peste. Ouais. Ah, des carreaux. J'en ai combien? Ah ouais, c'est sans le carreau. Ah la vache. Ouais, bon bah, garçon. Ordonnant sur le main. Pétrolier pour l'instant, d'accord, ok, super. Grosso modo, le portail est là-bas, non? Le portail est là-bas. C'est vrai que je peux me téléporter, hein. N'oublions pas. Il est où ce putain de portail? Là-bas. Excusez-moi. Hein. Ouais, trop cool. Hein. On va faire clignement, c'est ça. Ouais, clignant, c'est bien, clignement. On va se mettre comme ça. Ouais, non, le portail, il est là, garçon. Il est là. Où est-il donc ? Ouais. J'ai un peu perdu la notion de où je suis, là. Donc, en fait, là, je... Putain, il est rare. C'est où, là? J'ai aucune idée. Il faut que je franchisse, ce portail. C'est quoi ça? Aïe. Putain. Ouais. Donc si j'y vais, ils vont me sauter dessus. Clairement. Saute. Clairement pas passer par là. Hey, c'est quoi là-bas? Ah mais c'est les appartements de mamie machin là, mamie gâteau. C'est quoi là? On s'en fout. Donc clairement, je peux pas trop avancer par là. Bon, bah faut que je me débrouille pour avancer là-bas, hein, tout simplement. Clairement, ou alors je vais regarder de l'autre côté. On va changer d'aile. Change d'aile. Avis à tous les corps de garde.
Ce quartier est maintenant considéré comme zone gravement contaminée. Enfin bon, ils me regardent pas. Mais c'est pas. Envoyez-les immédiatement au quartier inondé. Restez en position jusqu'à ce que le personnel qualifié ait fini d'évacuer les corps affectés. En fait, il faut que j'aille voir par là. Alors, mais si... Ouais, mais si je désactive... Alors, non, ça marche pas de le regarder, lui. À ton avis. Lâche-moi, Eburn. Vas-y, lance-le, ton putain de rat. D'accord, ouais, merci. Putain. Oh. Hein? Non, tu m'as pas vu. Aïe. Putain, merde. Du genou là. Voilà, bon bah voilà, c'est comme ça. Hein. Je suis désolé, mais il s'est retourné pile quand j'arrivais. Allez, casse-toi. Voilà, je suis passé. Une charme d'os à proximité. Et le bunker. Ah ouais, vraiment pas loin. Ok. T'as entendu que le russe s'est fait lyncher par les superviseurs pour des histoires de magie noire? Hein? Putain, il arrive. Lui, dans ses foutus machins, ça dure pas assez longtemps. Il est là. Il y en a encore là-bas. Pourquoi? Toujours moi. Merde! Putain, j'avais pas vu qu'il y en avait un là. Ah oui, en fait ils sont mad parce que il n'y a plus le truc. Attends, faut que je regarde, il y a un cœur quelque part là. Ah, il est là-dedans, d'accord. C'est étrange sur la femme qui en est pâtisserie. On ne sait pas de quoi elle est morte, mais cette chose a l'air bizarre, l'a mis de côté pour essayer de réussir. D'accord, ouais. Bon, je prends, allez. Je prends. Oh. On va manger, ouais. Ils sont où? Je ferais mieux d'aller voir par là. Merde. C'est un truc bizarre. Merde. Vous trouverez une espèce de mixine. Je vais vous faire sortir de là.
putain de merde. Oh putain. Putain. Merde. Oui, oui, je sais. Oh putain. Merde. Hop. Oh merde. Faut que je me tape tout le merdier. Allez, casse-toi. Il va pas venir ton copain, je l'ai buté. D'huile. Aux armes! Allez! Fais sonner l'alerte! Mais non, tu sonnes rien du tout! C'est bon, vous avez eu! Cerclons l'œil! Donnez ce permis de fixe! Allez, attrapez-le! Putain, j'ai plus de potions ou quoi? Putain, je peux plus me guérir. Là, je suis super mal. Bon, en même temps, j'ai zigouillé pas mal de monde. Du coup, je vais être un peu tranquille, là. Bon, moi qui me disais, tiens, bah, cette aventure, je vais me la faire à la Koulos. Et en fait, non. Putain, merde, il y en a deux, là. Voilà, ça, on l'a déjà fait. Il n'y a pas à bouffer par là, si. Putain, je peux plus me soigner là. Ils sont où ces enfants? Il y a un rôdeur. Oh putain, les souris. Non, elles descendent, c'est bon. Lui, il est là. Waouh, pas simple, hein? Pas simple, je vous le dis, moi. Merde. Oh putain! Ce qu'il fait, ce qu'on... il s'est fait sauter. Ah, mais merde! Oh. C'est pas vrai. Putain, mais il y en a combien? Putain, puis en plus je... Je vais même pas le porter, putain, y a pas à bouffer dans un coin là. Vache.
suis quand même super mal là. Faut vraiment que je trouve un endroit où il y a à becter parce que là. Hop, un rat. Deux rats. Bon, on va essayer d'aller. Je les ai pris les trucs en fait, pour le coup. Eh non, du coup, putain, faut que je retourne les prendre. C'est quoi là? Bah ouais, là c'est bon. C'est complet. Putain, merde, faut que je retourne prendre les trucs. Putain, avec la vie qui est quasiment. J'ai quasiment plus rien. Hein? Merde. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, comme ça, celui-là, il m'emmerdera plus. Et puis, on va le mettre... je vais peut-être tous les foutre là. Ouais, bon. En même temps, on s'en fout un peu. Parce que les autres, en fait, ils viennent pas jusque-là. Ils viennent pas jusque-là. Voilà, faut que j'aille chercher la rune qui est là-bas. On va débecter ça et prendre ça. Voilà. Oh merde. Ouais, c'est ça aux armes. Il va se faire. Il s'est fait détruire par les rats. Oh putain. Je vous le dis, moi, faut pas avoir affaire à eux. Donc là, c'est bon. Voilà, faut que je désactive d'abord. Et après, on met ça. Voilà, je démarre, donc j'ai pas un stuff d'enfer. Puis en plus, je pense pas que. Je pense pas que voilà que c'est un jeu où on a un stuff d'enfer, je crois pas. Bon là, a priori, j'ai fait un peu tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Là, je vois pas trop au niveau des portes et tout. C'est quoi ça? Ah bah si. Petit câblage. Merde. Bouteille vide, on s'en fout. Pas des portes, non, pas des portes à aller voir. Ouverture impossible. Ouais, bah oui, j'ai pas de clé, j'ai pas. Bah, j'ai fouillé les gardes, hein. Sauf celui qui a été bouffé par les rats. Oh là. J'aime pas trop qu'il y a trop de rats comme ça autour. Hein. Ouais, ouais, cassez-vous les rats. Putain, il fait un boucan d'enfer lui quand il court. Allez, voilà, Holger Squad. Bah oui, on va y aller. Permis de boire des potions pour restaurer. Oui, bah oui, je sais, oui. Bureau du grand superviseur. Putain, ouais, ça va se. Hop, on va se planquer déjà. Trouver Emily. Objectif à jour. Récupérer le livre noir. Alors, J. Attention d'empoisonner le capitaine de la garde, Gurneau, il a fait chanter un superviseur de faible rang pour le forcer à empoisonner le service. Ah voilà, d'accord. L'élixir du gang. Une grande bibliothèque cache la salle. Ah mais oui, si, je l'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Pouvoir. Ah, pouvoir. Coup, 3 runes, 2 runes. Vous avez 4 runes. Ah! Jouvence de la baie-souris. Non, niveau 1, niveau 2. Coup 3 runes. Sanguinaire, ah c'est ça. Non. Non, c'est possession.
Ouais, c'est ça que je vais prendre. Ouais, si je pouvais, on peut trouver une barre. Ouais, allez, c'est parti, hein. Appuyez sur 1 pour prendre pour température 1% du corps dans les mains. Appuyez sur 1 pour y mettre terme. Si votre hôte meurt, vous subirez le même sort. Ouais. Ne survive pas. Ok. Bon, ah voilà, ça c'est fait. Ok, donc là je suis toujours planqué. On y continue. On continue, on continue. Alors, on dit que c'est le deuxième. Que la peau commence vraiment à partir en or. Les rats. Ou bien ce sont les démangeaisons. Ou les rats. Il est en jaune, lui. Pourquoi il est en jaune? Ah! Ah oui, parce qu'il faut que je le. C'est du cran, je vous l'accorde. Et ça va changer. Ouais, je l'ai tué maintenant, voilà. Corvo, c'est moi. Oui. Ce masque vous va ravir. Je sais qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Et je peux vous aider. Ouais, je te détache. Libérez-moi et je vous paierai un verre dans quelques jours. Ouais, super. Je vous en paierai autant que vous voulez. Ok. Et comment je le libère, moi? J'ai des problèmes de circulation et il semblerait que j'ai oublié mes gants. Que diriez-vous de me libérer? Ou de me faire un petit feu, au moins? Avez-vous remarqué comme les pavés de Dunwall sont réguliers? Mais comment j'ai je le libère? J'ai eu tout le loisir de les admirer ces derniers jours. Merde. Attends, il n'y a pas les clés d'autres abrutis, là? Rien ne me ferait plus plaisir que de me joindre à vous et aux autres. Surtout si le peuple nous sert une de ses meilleures pressions pour fêter ça. Je vais pas prendre la grenade. Hein. Putain, et je fais comment pour ouvrir... Le levier se... Ah. Putain, justement. Juste à ma droite, Corvo. Juste... Ah, pff, d'accord. Merci. Voilà, c'est fait. Bon, j'espère ça fait du bien va... d'être debout. Merci, Corvo. Votre mission de ce soir est de la plus haute importance. Oui. Il faut trouver Emily, donc tuer Campbell. Et tuer vite. Quand ce sera fait, récupérez son journal. Son fameux livre noir. Ensuite, filez. Campbell s'entretient avec l'officier Curnow. D'après mon informateur, Campbell va vouloir l'empoisonner. Peut-être pouvez-vous en tirer avantage. Bien, je ne vous serai d'aucune aide ici. Je ferai mieux de retourner au Hound Pits Pub. Si je vois Samuel et son bateau, je lui dirai d'aller vous chercher dans l'arrière-cour, derrière le bureau du grand superviseur. Que les esprits vous guident, et que la tête de notre ennemi tombe sans qu'il vous arrive de mal. Ouais, superviseur... ouais, si, je vais peut-être le porter, je vais le mettre, je sais pas où. Par là-bas, hein? On va le jeter là-bas. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a des machins à regarder? Bon, on va regarder. Je suis ici. Vers l'arrière-cour. Et bon, on va peut-être aller vers l'arrière-cour. Hein. L'arrière-cour, ce serait donc par là-bas. On va atteindre comme les tours, les corniches. Oui. On va atteindre une corniche déjà, on va atteindre celle-là. J'ai clignement là. Ouais, bon, c'est voilà. J'ai failli y aller. Là-haut, oui. Ah, merde. On va d'abord faire ça et après je serai un peu plus. Merde. Ah putain. Là, je peux pas. Si. Voilà, tu vois quand tu veux. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est ce dont on parlait. Tu vois. J'ai lu quelque chose sur le stigmate dans un livre des archives. C'est cela, oui. As-tu déjà vu le rituel? Je n'ai jamais vu personne l'utiliser, non. C'est extrêmement rare. Mais j'ai déjà vu le visage d'un stigmatisé. Un ancien membre de notre ordre, bien sûr.
cache. Lors d'une retraite, nous l'avons vu mendier dans un village de pêcheurs. Qu'avait-il donc fait ? Qui peut le dire ? Le stigmate est réservé au superviseur, voire au grand superviseur. Non, quand non, tu m'as pas vu. Quand il enfreint nos lois et mérite d'être banni à tout jamais. Mais tant que tu gardes les 7 canons à l'esprit, tu n'as rien à craindre. Oui, mon frère. J'ai plaqué un peu par là, j'attends d'autres, il doit arriver par là. Oh, mais dites donc, on s'accélère. Ouais, je vais pas faire des épisodes trop longs parce qu'après, bon, je me suis un peu fourvoyé au début, mais là ça va un peu mieux. Donc, bah, moi je vous dis bye bye, à prochain pour. Je suis fatigué moi. Donc, je vous dis ciao au prochain épisode. Ciao.